la première fois en Europe, et après 3 années de préparation avec le musée du fer de Nancy et le groupe de recherche La métallurgie traditionnelle, ces 4 maîtres japonais, en habit traditionnel, se sont déplacés pour nous révéler comment se crée, non pas la dernière trouvaille en matière d'électronique, mais ce qui est considéré comme le plus beau fleuron de l'art japonais, le sabre du Japon, ou Nipponto. Maître Ono Masami, forgeron depuis l'âge de 9 ans, élevé au rang de trésor culturel vivant. Maître Wakita Ryosui, forgeron spécialiste des techniques de fabrication des aciers anciens. Maître Mori Masaharu Sayashi, chargé de la fabrication des fourreaux. Imazi Michiharu, polisseur. Maître Wakita a entrepris depuis 1968 des recherches approfondies sur la fabrication de l'acier en bafoyer, selon les méthodes des anciens forgerons. Ainsi, dans ce bas fourneau du XVIe siècle, reconstitué, le charbon de bois nourrit le feu. Il se mélange dans les flammes à un autre élément de la terre, le minerai de fer réduit en poudre. L'union de la terre, du feu et de l'air produisent dans un mouvement tourbillonnaire l'acier. La structure sociale japonaise est restée très longtemps figée. On naissait paysan, marchand, artisan ou samouraï. La caste des samouraïs était au-dessus des 3 autres classes. Le passage d'une classe à l'autre était pratiquement impossible. Une seule exception à cette règle. Un samouraï pouvait devenir à vie forgeron d'armure ou d'armes sans perdre pour autant sa dignité. Au bout de longues heures, le minerai est enfin réduit, puis le four est démonté. Car de cette longue alchimie naît une boule incandescente, la loupe d'acier, à partir de laquelle se forgera une lame au profil harmonieux. Depuis plus de 1000 ans, le Nipponto reflète l'âme même du Japon. Le forgeron applique correctement le feu, l'air et l'eau. Il lutte sans cesse pour conserver la plus parfaite harmonie entre ces éléments et donner naissance à sa création. L'art du Nipponto concerne 3 types de lames. Les lames de plus de 60 cm, comme le katana, celles qui ont entre 30 et 60 cm, à l'exemple du wakizashi, et les tanto, qui sont des lames de moins de 30 cm. Les petits morceaux d'acier arrachés à la loupe, chauffés et martelés, puis liés entre eux par l'argile, la cendre et le feu, forment un bloc compact. C'est autour du sabre que s'unifient harmonieusement les principales tendances philosophiques et les croyances religieuses du Japon. Ainsi, les 4 oranges déposées sur le soufflet sont offertes aux divinités tutélaires. Ce bloc est cinglé sous le pilon et le marteau. Sa masse s'étire jusqu'à former une barre longue et fine. Pour obtenir une plaque d'acier de texture uniforme, cette opération est répétée à maintes reprises. Ensuite, la plaque est entaillée en son milieu avec un burin. La barre est découpée en fins lingots rectangulaires. Ces morceaux de fer brut de fonderie sont déposés sur une plaque d'acier reliée à un manche. Le tout est enrobé d'argile et de cendre de paille, puis chauffé. Ce processus permet de maîtriser le dosage du carbone qui confère à l'acier sa particularité et évite tout phénomène d'oxydation superficielle qui nuirait à une bonne soudure des différentes couches de métal entre elles. Le bloc de métal est chauffé au rouge, puis forgé par la frappe du pilon. À chaque opération, les couleurs de l'acier obtenues par la chauffe sont déterminantes. L'œil du maître en est le seul juge. Le processus complet forgeage-repliage est répété dans son intégralité de multiples fois. Une barre d'acier constituée d'un million de couches extrêmement fines, intimement soudées entre elles, est le résultat d'une 20aine de repliages successifs. Maître Ono Masami est un forgeron exceptionnel. Il fut l'apprenti du renommé Morita Kaneshige, 72e descendant du légendaire maître forgeron,
Ikeda-ju Kunishige. Depuis des temps immémoriaux, le sabre est l'objet de vénération et de respect au Japon. Avec le miroir sacré, il est une des deux reliques les plus précieuses d'un hôtel national Shinto. Plus qu'une arme redoutable, mieux qu'un symbole philosophique, le sabre est un instrument magique. Il peut être maléfique ou bénéfique, selon la personnalité du forgeron ou du guerrier qui l'utilise. On raconte que des sabres créés par deux forgerons aux personnalités très différentes, Muramasa et Masamune, furent placés dans une rivière. Les feuilles dérivant à la surface vinrent se couper sur l'une de ces lames, alors qu'elles évitaient l'autre. Il en fut conclu que la lame de Muramasa était terrible, alors que celle de Masamune était humaine. La lame a pris sa forme définitive. Commence alors le processus de trempe qui confère à la lame la dureté qui en fera une arme redoutable. Cette opération est extrêmement délicate à mener. Ce tantôt, lame de moins de 30 cm est d'abord couverte d'argile réfractaire. En faisant varier l'épaisseur de cette couche d'argile, on obtient un dessin particulier. Simple, la ligne de trempe pratiquement droite, ou plus complexe, comme la représentation de chrysanthèmes, de vagues déferlantes ou du mont Fuji. Cette grande particularité de la trempe sélective des armes japonaises permet à la lame de présenter une dureté exceptionnelle au niveau du tranchant, tout en restant souple pour ne pas être cassante. Dans le processus de trempe, la lame est ensuite chauffée à une température d'environ 800 degrés centigrades, puis, tout en étant maintenue horizontalement, le tranchant tourné vers le bas, plongé brusquement dans de l'eau dont la température demeure généralement un des secrets du maître. Masamune, forgeron illustre du XIIIe siècle, n'hésita pas, dit-on, à trancher d'un coup de sabre le poignet de son élève et désigné successeur lorsqu'il le surprit plongeant sa main dans l'eau destinée à la trempe afin d'en apprécier la température. Pour ce tantôt, la première opération de polissage s'effectue à l'aide d'une pierre assez grossière. La lame est taillée afin d'en faire disparaître toutes les irrégularités. Le polissage est primordial lorsqu'il s'agit de mettre en valeur et de faire ressortir toute la beauté d'une lame. Cette opération est un véritable art en soi qui demande non seulement une grande maîtrise technique, mais également la connaissance des écoles et de leurs caractéristiques, afin d'appliquer la méthode appropriée à chaque cas. Une excellente lame dont le polissage serait médiocre semblerait quelconque, alors qu'une arme de second choix peut sembler magnifique si elle est passée entre les mains d'un maître polisseur. On retaille d'abord le dos, puis le tranchant. La lame est ensuite polie longuement avec des pierres abrasives judicieusement sélectionnées et dont le grain va en diminuant. Tout l'art consiste à faire ressortir le grain de l'acier ainsi que la ligne de trempe. Le résultat final obtenu est cet éclat et ce reflet si particulier au groupe d'armes Nipponto. Dans la tradition japonaise, la plus belle lame qui soit n'a que peu d'utilité si elle reste en l'état. Maître Masami, le Sayashi, est donc celui qui veut la lame. L'écrin du tanto, c'est-à-dire le fourreau en bois de magnolia, est ajusté à la lame avec une précision extrême, si bien que seul le silence accompagnera son jaillissement. Les deux parties du fourreau, parfaitement jointes, sont collées à la pâte de riz cuit. Le maintien du tanto dans son étui est assuré par un manchon fixé sur la soie. Sur cette soie sont gravés le nom du forgeron, ainsi que l'année, le mois et le jour de la création de la lame. Parfois, il était gravé les résultats des essais de coupe entrepris afin de juger la qualité de l'arme. Les tests s'effectuaient de façon très diverse. Ils consistaient à essayer de trancher des bottes de paille de riz tressées et mouillées, de vieux casques ou des plaques de métal, mais aussi de manière sanglante, des cadavres, des condamnés à mort, ou parfois cruellement, de simples passants surpris au coin d'une rue. Arme de la dernière férocité, elle pouvait devenir protectrice dans les mains d'un guerrier qui cultivait le sens de la clémence et de la bienveillance.
Depuis la nuit des temps, depuis que l'homme travaille les métaux, le forgeage des lames du Japon est réservé au seul maître forgeron, dont l'art se perpétue de père en fils, de maître en disciple. Ces maîtres ont bien failli disparaître au siècle dernier, quand un décret impérial a interdit le port du sabre. Mais depuis 1953, la fabrication est à nouveau permise, et les forgerons dès lors continuent à transmettre leur savoir, hérité de l'époque féodale.